représenter le côté obscur de la force, mais j'ai beaucoup aimé l'image du container avec le petit bateau devant, parce que habituellement, quand on est dans le privé, on a une certaine arrogance qui est de considérer que le privé est beaucoup plus agile que le public. Et là, c'est exactement l'inverse. L'agile est le petit bateau devant et le privé est le gros machin qui ne bouge pas. Et sans doute, sur ces thèmes, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas des thèmes où le privé est le plus agile. Ce n'est pas des thèmes où le privé est le plus devant. C'est les institutions publiques transversales qui ont d'abord mis en mouvement. Et c'est intéressant c'est de se poser la question pourquoi. Et si on veut arriver à leverager et à tirer le bateau dans la bonne direction, il ne faut pas oublier que le privé, les opérateurs, société de gestion par exemple, notre objet social, notre obligation fiduciaire, c'est de gérer dans l'intérêt de nos clients. Et donc, on n'a pas d'intérêt public. On n'est pas là pour relayer des objets, des politiques qui ont été décidées. Nous, notre fonction sociale, notre obligation réglementaire, c'est de gérer dans l'intérêt de nos clients. Et c'est ça qu'il faut arriver à bien réintégrer dans la réflexion. Alors, ce n'est pas forcément antinomique, parce que l'intérêt de nos clients peut être justement d'apporter des solutions sur ces thèmes-là. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et les clients sont aussi multiples. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand on travaille avec des clients institutionnels ou des clients privés, on peut avoir des leviers d'action qui sont très différents. La COP21 a été un formidable levier sur l'institutionnel. En France, la COP21 a imposé aux institutionnels de mesurer leur empreinte carbone. Première fois qu'on a fait des calculs d'empreinte carbone sur les portefeuilles de nos clients institutionnels, ils nous ont tous dit, c'est n'importe quoi. Vous faites des sommes de choses qui n'ont pas de sens. Mais on avait quand même calculé un chiffre. Tous les ans, on dit, l'empreinte carbone de vos investissements est tant. Alors, ce chiffre est sans doute totalement faux. Ce n'est pas très grave. Parce que par contre, on peut comparer le chiffre d'une année au chiffre de l'année d'avant. Et par exemple, on a des clients dont la gouvernance leur a dit « Bon, le chiffre est faux, c'est pas grave. Par contre, on vous demande qu'il baisse chaque année. » Et ça, tout de suite, ça change la manière de réfléchir. Amit parlait de bouger le stock, les trillions. Là c'est intéressant. Si vous êtes un gros investisseur institutionnel et que votre objectif, c'est de baisser l'empreinte carbone de votre portefeuille année sur année, vous ne pouvez pas simplement vous intéresser à vos nouveaux investissements, vous devez aussi vous intéresser à avoir un impact sur vos investissements existants. Donc à pousser les gens à changer. Et ça, c'est là où il y a un lien intéressant entre le politique et le privé, c'est que des règles ou des réglementations peuvent faire bouger le privé. Après, il y a la dimension institutionnelle. Après, il y a les investisseurs privés. Là, ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir l'évolution extrêmement forte, nous on voit sur nos clients, qui est, je pense qu'il y a une dizaine d'années, tous les thèmes de socialement responsable, on trouvait que c'était nice to have. On trouvait que c'était, c'est sympa, mais bon. Maintenant, on a des générations, et en particulier des nouvelles générations. Les sociologues appellent les Y, les Z, donc ils veulent donner du sens. On est passé de gens plus âgés, comme nous, autour de la table, là, où c'est réussir dans la vie, et là, les gens veulent réussir leur vie. Et réussir leur vie, il faut avoir donner du sens, y compris dans son investissement. Et nous, on s'en rend compte tous les jours, on est obligé de s'adapter à une demande client. Et là, on revient dans mon objet social. Si je réponds à une demande de mes clients qui est d'avoir un investissement qui a du sens et qui a un impact positif, à ce moment-là, je peux participer à l'effort. Donc, première chose, si, pour
pour engager le privé, il faut que le privé puisse être dans son objet social, qui est d'apporter une réponse de qualité à, en investissement à ses clients. Donc ça, c'est important. La deuxième observation, c'est que, ça a été dit, c'est des engagements longs. Alors là, on a de la chance aussi, parce qu'il y a un certain nombre de thermomètres qui ont été imposés aux investisseurs institutionnels. Les institutionnels mesurent le risque, ce qui est devenu l'élément de mesure de référence, c'est la volatilité. On regarde comment les choses bougent. Alors, la très bonne nouvelle avec tous ces projets, c'est que ça ne bouge pas beaucoup. C'est des projets longs, c'est ce qu'on appelle du non-coté. Et donc, le thermomètre est très très bon. Il n'y a pas de... si vous regardez ce qui se passe sur les marchés depuis un an, il y a des investissements, une allocation d'actifs extrêmement considérable sur des projets longs d'infrastructures et de private equity, aux dépens des marchés publics, des marchés listés, pardon. Ça augmente le potentiel adressable pour ces projets, parce que ces projets sont longs. Donc si on donne du sens, qu'on a des investissements de long terme, on peut commencer à engager le privé. Après, c'est là, c'est un peu l'objet de vos discussions, il faut trouver un lien, il faut trouver comment, quelle est la corde, si c'est l'élastique ou une barre. Ouais, moi, je crois que le bateau plus agile de la sphère des banques de développement peut apporter plusieurs choses. Après, première chose, c'est le sourcing, l'identification des projets, la qualification des projets. Je pense que les investisseurs privés ont besoin d'être aidés pour qualifier, pour labelliser les projets. On n'a pas, nous, la capacité de faire de ce que vous faites, votre granularité, votre connaissance sur les pays. Et donc, il y a un rôle, sans aucun doute, de sourcing et de labellisation qui permet après au privé de dire « Non, je suis venu, c'était très bien, l'AFD l'avait validé. » Bon, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Ça, c'est un élément qui... La deuxième chose, c'est peut-être de réfléchir, et conviction plus personnelle, sur comment répartir le risque. On a vu déjà des projets, il y a des fonds qui ont été créés, où on a essayé de dire le privé vient à côté des banques de développement, où le privé vient après les banques de développement en ayant une sorte de preuve. Mais c'est peut-être pas la bonne approche. Parce que dans un projet, quand on regarde un projet, on se rend compte qu'il y a des risques qui sont de nature privée et il y a des risques qui sont de nature publique. Prendre un exemple. Si je finance une infrastructure de transport, le risque pays, le risque politique est un risque public. Par contre, le risque du nombre de passagers qui prennent l'infrastructure, ça, c'est un risque privé. Et on peut peut-être réfléchir à leverager les capacités des banques de développement en la focalisant sur la partie, on va dire, publique du risque pour permettre de mobiliser les capitaux privés sur la partie privée du risque. Et le dernier élément de réflexion qui a été évoqué aussi, c'est être capable de mesurer l'impact. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites à vos investisseurs, je vous fais une promesse duale qui est de return financier avec impact, return financier, on peut le mesurer, je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour mesurer l'impact. Qu'est-ce qui fait que le projet est pertinent, qu'est-ce qui fait que j'atteins bien l'objectif de développement durable? C'est la boîte à outils évoquée, Alexis.